Aujourd'hui, je vais faire un poulet citron confit olive. Donc pour ça, il vous faut un oignon émincé, un citron confit qu'on a émincé aussi. Il nous faut 100 g d'olive, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il nous faut un demi fond de poule. Il nous faut une cuillère à café de curcuma, c'est pour la couleur. Il nous faut 200 g à 300 g de poulet, du poivre et du sel. Dans l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, nous allons mettre les oignons. Donc là, je viens de mettre les oignons, je vais les laisser fondre pendant 8 minutes à peu près. Après, je les enlèverai, je rajouterai la cuillère à soupe d'huile d'olive et je mettrai à dorer la viande. Donc mes oignons ont fondu pendant 1 minute. Là, j'ai mis la deuxième cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais mettre la viande. Donc là, ma viande a pris des jolies couleurs. Je vais remettre mes oignons. Là, je vais attendre 30 secondes que la viande prenne bien le goût des oignons. Je vais rajouter les citrons confits et les olives. Donc j'ai rajouté les citrons confits et les olives. Là, je vais recouvrir d'eau la viande et je vais les laisser mijoter pendant un quart d'heure à peu près. À savoir que je vais mettre en même temps que l'eau, je vais mettre la cuillère de curcuma et la demi-fond de volaille. Donc là, je vais rajouter l'eau. Il faut que ça recouvre. Voilà. Donc là, je mets le fond de volaille que j'émiette. Voilà. Et je vais mettre la cuillère à café de curcuma. C'est pour la couleur, c'est super beau. Après, ça fait un jaune magnifique. Donc là, on laisse un quart d'heure mijoter. Et voilà, mon poulet citron confit olive est prêt. Je vais dresser mon assiette. Et voilà mon poulet citron confit olive. Bon appétit!